Good morning, Aliden, et tu seras aujourd'hui les Lunchmat Abraham de Chai Ben Yitzhak, Vefani Dvorah Bat Esther, Maurice Moshe Ben Sultana, Moshe Michel Ben Machla, Rachel, si vous souhaitez aussi de l'une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions les Sakhati Vamot, Perekte Zain, Mishnah Bet, Shtei Vamot, Zo Omeret, Met Bali, Zo Omeret, Met Bali, Zo Asura Mipne Bala Shalzo, Zo Asura Mipne Bala Shalzo. La Zo Edim, Vela Zo En Edim, Et Che Echna Edim, Asura, Et Che En La Edim, Moteret. Les ovanim et les oen vanim, et chez la banim, on moteret ve et chez en la banim, asura. Nitiabmu ou metu aïevamin, asurot le inaser, Rabbi El Azar omer, o il ve hutu aïevamin hutu le chol adam. Je rappelle quelques petits principes d'abord pour la crédibilité d'une femme pour envers qui elle est crue. Deux principes, en fait, ça va aller très vite. Une femme qui va à l'étranger avec son mari, elle revient nous dit. Son mari est mort, ils n'ont pas eu d'enfant en route. On lui permet de se marier avec un étranger. S'il restait maintenant le frère, son beau-frère qui était ici, elle vient, elle est partie avec, avec Réhouven, son mari, à l'étranger. Elle nous dit Réhouven, il a coulé en route, elle revient. Maintenant, elle demande à Shimon qu'il lui fasse le hiboum, le frère de Réhouven, ils feront le hiboum. Pour le moment, c'est clair. On a vu par contre qu'une femme, elle n'est pas crue. On avait appris, vous vous rappelez, il y a une Mishnah avec 5 femmes qui ne sont pas crues pour témoigner pour d'autres personnes. En l'occurrence, il y avait la belle-fille, la belle-sœur, et une, celle qui nous intéresse justement, c'est la belle-sœur qui est mariée au frère. Soit, imaginez, je vous mets tout de suite dans la scène, justement, c'est ce qu'il va y avoir dans la Mishnah, mais d'abord je le fais à l'oral, c'est plus facile. On a deux frères, Réhouven et Shimon. Ils sont partis chacun avec sa femme respective à l'étranger. Est-ce qu'ils étaient ensemble ou pas? Je pense qu'ils n'étaient pas ensemble. Ouais, logiquement, ils ne sont pas ensemble. Ouais, ils ne sont pas ensemble. Et donc, un, il est parti en France, l'autre, il est parti en Espagne. Puis finalement, après 3 ans, les deux belles-sœurs reviennent ici. Les deux belles-sœurs, c'était une qui s'appelait Rachel et Léa, donc qui étaient les femmes de Réhouven et de Shimon, qui reviennent et qui racontent au Bedin que chacune, son mari respectif, est mort. Qu'est-ce qu'on fait? En théorie, tu me dis que ton mari est mort, ben, c'est très bien, ben. Tu peux te remarier. Sauf que elle a un problème technique. C'est que son mari est mort, mais peut-être que son mari a un frère. Alors ici, ils n'ont pas laissé de frère. Il y avait juste Réhouven et Shimon, c'était deux frères. Mais peut-être qu'elle a son beau-frère qui était parti en France. Alors quoi? Mais sa femme, elle dit qu'il est mort. On ne croit pas sa femme. Comme on avait vu qu'une Yevama, elle n'est pas crue sur son pour l'autre. C'est-à-dire, en théorie, ouais, de manière générale, on va prendre Rachel, la femme de Réhouven. Elle n'est pas crue de dire que Shimon, même si en général on croit un témoin, et même des proches parents, on peut les croire. Mais Réhouven ne peut pas nous Rachel ne peut pas nous raconter que Shimon, le mari de sa belle-sœur, il est mort. Parce qu'en réalité, peut-être qu'on avait vu que c'était peut-être qu'elle craint qu'un jour, Shimon, elle a un intérêt à ce que sa belle-sœur, Léa, qui est mariée à Shimon, qu'elle aille se marier avec un étranger alors qu'elle est encore mariée, comme ça elle va devenir interdite à son mari, à la semaine la zizanie, comme ça elle ne va pas se retrouver un jour à devenir sa co-épouse. Ouais, c'était une des craintes là-bas des 5 femmes qui avaient des liens de parenté. Parce que soit il y a une haine naturelle, soit parce qu'elle craint tout simplement d'avoir une co-épouse. Quelle femme a envie d'avoir sa belle-sœur? Rachel et Léa, vous avez vu, on est eu dans la paracha, quoi. C'est désagréable, quoi, d'avoir une co-épouse, surtout quand... Donc du coup, une belle-sœur, elle a un intérêt à planter sa belle-sœur qu'elle aille se marier avec un étranger, comme ça. Du coup, elle va se retrouver à avoir transgressé la femme Eshetish, et comme ça, ça va plus être sa belle-sœur. Comme ça, ça va pas être sa co-épouse. Donc en fait, elles ne sont pas crues. Donc quand vous regardez la situation originale, je reprends. Réhouven et Rachel vont en France. Shimon et Léa vont en Espagne. Chacune revient. Rachel et Léa reviennent ici, nous disent « Ouais, chacune son mari est mort. » On leur dit « Mais écoutez les amis, vous pouvez pas vous remarier. » Rachel, c'est vrai que Réhouven il est mort. Mais peut-être que le Shimon il a encore en vie. Alors quoi? Qui te raconte que Shimon il est mort? Léa, mais Léa, elle n'est pas crue pour toi. Et Léa, tu ne peux pas t'en marier non plus, parce que peut-être que le mari de Réhouven, il est là. C'est la base de la Mishnah, on traduit déjà la première partie. Après, ça va. C'est la même situation, configuration, qui va un petit peu évoluer avec quelques petits détails. Shtei Yevamot, deux belles-sœurs qui sont, en fait, qui sont pas du tout, qui n'ont pas de lien de parenté entre elles, mais qui sont juste mariées à deux frères, comme il nous dit le Bartanoura. Neshei Shnei Achim. Shtei Yevamot, Zo Omeret, Met Baali, Vezo Met Baali. L'une nous dit, mon mari il est mort. Rachel nous dit, son mari il est mort en France.
Vezo Omeret Medbali, et l'autre, Léa, nous dit son mari, Shimon, il est mort quand ils étaient en Espagne. Zo Asura Mipne Baala Shelzo, Vezo Asura Mipne Baala Shelzo. L'une, elle est interdite de se remarier à cause du mari de l'autre, et l'autre, elle est interdite de se marier avec à cause du mari de l'une. Ok? C'est clair. Maintenant, mieux que ça. Je le fais aussi à l'oral, c'est qu'à présent, il y a Rachel, quand elle nous raconte que son mari Reuven, il est mort en France, elle a même des témoins qui nous racontent, il y avait eu là-bas. D'accord? Ils ont vu son mari mort. Il y a deux témoins. Alors tranchez tout seul, venez réfléchir ensemble. Ben, c'est très simple. On a deux témoins cette fois-ci qui nous racontent que Reuven, il est mort. Maintenant, Léa et Rachel se retrouvent devant nous. Rachel, elle a deux témoins que son mari est mort. Léa, elle a zéro témoin, mais Léa, elle est crue pour elle-même. Il s'avère que Léa, on va lui permettre de se marier, mais Rachel, elle ne pourra pas se marier. Vous vous rendez compte pourquoi? Parce que quand Rachel vient de dire que son mari est mort, il y a deux témoins. On va lui dire, il y a fait, c'est super, tu as deux témoins que son mari est mort. Mais peut-être que son beau-frère est encore vivant. Peut-être que Shimon est encore vivant, qui était en Espagne. On ne peut pas croire Léa, donc Rachel, elle ne peut pas se marier. Mais Léa, elle peut se remarier. Parce qu'elle, elle nous raconte que son mari est mort. Son mari est mort, on la croit. Mais peut-être qu'elle a un beau-frère. On a deux témoins qui nous disent que le beau-frère, il est mort. Donc il n'y a plus d'Yava, elle peut se remarier. Et on fait ça dans les mots. Lezo Edim, Belazo En Edim. À l'une, il y a des témoins que son mari est mort. Et à l'autre, il n'y a pas de témoins que son mari est mort. Et chez Yeshla Edim, celle qui a des témoins que son mari est mort. Asura, elle ne pourra pas se remarier, parce que peut-être qu'elle a un beau-frère. C'est pas tout de me dire que ton mari est mort. Peut-être que aussi tu as un beau-frère qui est vivant. Dans ce cas-là, tu vas faire le hiboum. On ne peut pas te permettre de te remarier avec un étranger. Mais celle qui n'a pas de témoin, Mouteret, elle a le droit de se remarier parce que cette fois-ci, on la croit que son mari est mort, et on a deux témoins qui nous disent que son beau-frère il est mort. On continue. Les obanim ve les enbanim. Nouvelle situation maintenant, une qui a des enfants, l'autre qui n'a pas d'enfants. Rachel et Reuven qui sont partis en France, on sait qu'ils ont des enfants ici. Léa, qui est partie en Espagne, eux n'ont pas d'enfants. Rachel et Léa reviennent et nous racontent que leur mari est mort. Leur mari respectif est mort. Ben, c'est très simple, tranchez tout seul. Rachel, on va lui permettre de se remarier, parce qu'on va lui dire, écoute, toi, t'as pas de hiboum. Ton mari t'a laissé des enfants. Tu nous racontes qu'il est mort. Vas-y, va te remarier. Léa, elle pourra pas, elle, se remarier. Logique, non? Parce qu'on va lui dire, ton mari est mort. Très bien. Ou très triste. Comme vous voulez. Mais peut-être que tu as un Yavam. Et qui nous raconte que Reuven est mort? Rachel, elle n'est pas crue. On fait ça dans les mots de nouveau. Lazo banim, lazo en banim. À l'une a des enfants et l'autre n'a pas d'enfants. Etche yesh la banim, moteret. Etche la banim, sou. Celle qui a des enfants a le droit de se remarier. Celle qui n'a pas d'enfants n'a pas le droit de se remarier. Très simple. Alors là, maintenant, accrochez-vous. Il va y avoir un grand ridouche. Nitiabmu va metu ayevamin asurot leinase. On reprend le cas un petit peu en arrière. Et alors là, on complique un petit peu l'histoire. C'est pas compliqué, juste tenez bien tête. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, on a quatre frères. Reuven est parti en France avec Rachel. Shimon est parti en Espagne avec Léa. Et on a deux frères qui sont restés ici, Levi et Yehuda. Rachel et Léa viennent, l'une de France, l'autre d'Espagne, elles arrivent en Israël, en train de pleurer et de raconter que leur mari est mort. Tov, mari est mort, faut faire le hiboum. Une, elle est crue pour elle-même, elle nous dit que son mari est mort. Une femme, elle vient nous raconter que son mari est mort, elle n'a pas d'enfant, elle nous dit qu'elle n'a pas d'enfant, on va dire à son beau-frère, viens, fais le hiboum. Autant qu'on lui permet de se marier avec un étranger, on lui permet aussi de faire le hiboum avec son beau-frère. Pour lui, elle est crue. Maintenant, donc on a Lévi qui va faire le hiboum à Rachel, et Yehuda qui va faire le hiboum à Léa. Pour le moment, tout va bien. Après 3 ans, les pauvres, Lévi et Yehuda, tous les deux meurent. Oui. Maintenant, il n'y a plus d'Yavam. Ben maintenant, en théorie, on aurait dû les permettre à Rachel et Léa d'aller se remarier avec des étrangers. Pourquoi pas? Là, on sait, c'est pas elle qui nous raconte. On sait qu'ils sont morts. Lévi et Yehuda, ils sont morts ici. C'était les femmes, les maris respectifs de Rachel et de Léa. Ils sont tous les deux morts, en théorie on devrait les permettre. Ils sont morts sans enfants, il n'y a plus d'Yavam. Mais alors là, vient le petit rabbin qui nous dit, mais attendez là, oh, vous vous rappelez de l'histoire là? Quand ils sont revenus, quand Rachel est revenue d'Espagne, de France, et qu'elle nous a dit que son mari il est mort,
Son mari qui est mort, Rachel, elle est crue pour elle-même. Elle a même pu faire le hiboum avec Lévi. Mais elle n'est pas crue face à Léa. C'est-à-dire qu'en fait, Léa, qui est revenue, elle aussi, qui nous dit que son mari est mort, on l'a permis de faire le hiboum avec Yehuda. Maintenant qu'Yehuda, son mari, il est mort, mais peut-être qu'il reste un autre Yavam qui s'appelle Shimon ou Réhouven, chacune, un pour l'autre. Qui nous dit que Réhouven et Shimon sont morts? Qui nous dit que Réhouven et Shimon sont morts? Pour Rachel, elle doit craindre que peut-être Shimon il a envie. Qui nous apprend que Shimon est mort? Léa, mais Léa n'est pas crue pour Réhouven. Qui nous dit que Réhouven, que Léa n'est pas crue pour Rachel? Qui nous dit que, pour Réhouven, pour Rachel, c'est la même chose. Qui nous dit que, et inversement aussi, qui nous dit que Shimon il est mort? C'est Léa, Léa n'est pas crue pour Rachel, j'ai répété le même cas. Qui nous dit que Réhouven il est mort? Rachel, mais Rachel elle n'est pas crue face à Léa. Donc, Shimon, en réalité, alors est-ce qu'on va permettre ou pas? Vous avez compris la situation? C'est-à-dire qu'en réalité, on se retrouve dans une situation un petit peu affolante. On a eu pendant 3 ans, 4 ans, on a permis à une femme de se marier avec son beau-frère. Si on lui permet de se marier avec son beau-frère, ça veut dire que son mari, il est mort. Mais qui nous raconte que son mari est mort? Elle-même. Bon, alors, elle est crue pour elle-même, elle peut même se marier avec son beau-frère. Mais tout ce qu'elle nous raconte et toute sa vie qu'elle est en train de vivre, elle n'est jamais crue face à sa belle-sœur Léa. Et inversement, alors là, regardez la marloquette intéressante qu'on a. Nitiabumu, elles sont venues d'étrangers, Rachel et Léa, elles ont fait le hiboum avec Lévi et Yehuda, puisque chacune peut nous raconter que son mari il est mort et qu'elle n'a pas d'enfant, donc elle peut se marier avec son beau-frère pour le moment, ceux qui sont là. Et après, mets-toi à Yevamin, après 3 ans, après 15 ans, après 20 ans, c'est les Yevamin qui ont fait le hiboum, Lévi et Yehuda, ils sont morts. Asurot leinase, elles sont interdites à se marier avec des étrangers. Pourquoi? Comme il nous explique bien le Bartanora, parce que cette fois-ci, on va craindre que finalement, peut-être que Réhouven et Shimon, ils sont encore en vie. Face! Vous comprenez la difficulté? C'est assez original de voir qu'en fait, c'est une notion. Si vous voulez comprendre les Mishnah comme ça, c'est beaucoup plus compliqué dans plein de situations aussi. C'est de bien comprendre. La crédibilité d'une personne, on ne cherche pas au Beddin à éclaircir qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est pas dans nos mains de l'éclaircir. On aurait bien voulu le faire, mais on n'est pas des prophètes. On a des règles selon lesquelles on se fonde. Et que les règles selon lesquelles on se fonde, ça veut dire tu crois les personnes selon les critères que la Torah nous a donnés, les caractéristiques, les situations. Là, tu crois pas. Et on va se retrouver avec des personnes que, quand je parle, moi, pour mon ami, ça marche, mais quand je parle pour mon frère, ça marche pas. Parce que par rapport à mon frère, moi, je suis un proche parent, je peux pas témoigner pour lui, mais je suis cru face à lui. Donc on va dire, mais écoute, par rapport à lui, lui, il va fonctionner, il va continuer sa vie avec mon témoignage, mais l'autre, mon frère, qui peut pas croire quand moi je parle pour lui, eh ben, je serai plus cru pour lui. Vous voyez les situations ou pas? Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation un petit peu absurde, si je peux me permettre, où on a un truc de folie. On a une femme, on l'a permis de se marier avec son beau-frère parce qu'elle nous a dit que son mari il était mort. Et on l'a dit que ton mari il est mort, donc tu peux maintenant te marier avec ton beau-frère. Mais quand son beau-frère il finit par mourir, on va dire ouais, peut-être que finalement son mari n'est pas mort par rapport à l'autre belle-sœur. Ça fonctionne comme ça, d'accord? Ça c'est la vie de Tanakama. Sur son Rabbi El-Hazar, Omer Rabbi El-Hazar nous dit non, oh il veut outre la Yevamine, outre le Choladam. Rabbi Lazar nous dit non, là, il ne faut plus délirer. À partir du moment où on a donné le feu vert pour faire le hiboum, et ils ont fait le hiboum, puisqu'on a permis, on a levé l'interdit pour se permettre au Yavam, alors c'est comme si on a cautionné, on a réussi à donner le tampon du Bedin pour nous dire que Réhouven il est réellement mort, c'est pour ça qu'on a permis à Rachel de faire le hiboum avec Lévi, et que Shimon il est réellement mort, c'est pour ça qu'on a permis à Léa de faire le hiboum avec Yehuda, et dès lors, dès qu'on a réussi à. Pour pouvoir permettre à Lévi Yehuda, on a dû donner le tampon du Beddin pour nous dire que leurs maris sont morts. Dès qu'on a eu cette certitude pour permettre face à Lévi Yehuda, ça y est, c'est fini. On a maintenant on considère ça comme une certitude que Réhouven et Shimon sont réellement morts. Et du coup, Rachel et Léa pourront se remarier avec des étrangers. Ça, c'est la vie de Rabbi Lazar. La halakha n'est pas établie comme Rabbi Lazar, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. C'est là.